Ah, il m'en faut 100. Ah, je vais mettre un seul engrais. Et on va lécher les murs. Je crois que t'as pas demandé de miner l'autre entrée du couloir pour la cuisine. Là? Ou là? Ok, tout ça c'est demandé, ça c'est demandé. Ah, c'est normal, hein. J'ai pas demandé encore. Si, si, là tout est bon, je crois. On verra. Oui, ça je veux pas l'ouvrir maintenant parce que vu que c'est mon frigo, si je l'ouvre, là ce sera en plein air. Et du coup, bah mon frigo va plus être frais. Donc je vais attendre de déplacer le frigo avant de l'ouvrir. Ah, du coup, il faut que j'annule celui-là en fait. Ça, faut que j'annule, je vais le déplacer. Vous pouvez miner, s'il vous plaît, ceci. Du coup, je vais construire une copie. J'ai pas besoin de la construire tout de suite, j'en ai déjà deux, c'est bien, faut juste qu'on range ça. Là, tu fais quoi? Gravage jusqu'à ardoise. Jusqu'à décharge. Ok, viens plutôt faire ça, s'il te plaît. Ça, c'est important de le stocker. Merci. J'ai toujours une bestiole qui traîne là-haut, non? Ouais, il y a toujours une bestiole qui traîne là-haut. Va falloir qu'on s'en occupe. Mais rien d'urgent pour le moment. Il y a des milliards de trucs à faire. Ce serait gentil de les faire. Mais Milo va mieux, donc il va pouvoir recommencer à construire des trucs. Bison en gestation. Nice. Ah oui, il faut que je fasse aussi, du coup, un abri pour mes animaux ici. Une petite planque pour les animaux, là. Ah, je peux même faire ça, tiens, d'ailleurs. Comme ça. Et j'annule... ça. Ouais, bon, je commence à avoir beaucoup de poupous là. Les croquettes, ça a fondu. Les croquettes ont fondu. Ah, j'ai heurté quelque chose. Vêtement par balle terminé. Porte automatique, c'est bien. J'aime bien les portes automatiques. Ça accélère beaucoup de choses. J'ai heurté un truc, je crois. Je le vois pas ici. Vous m'avez pas répondu, mais pourquoi Mystère et pas fermier? Pourquoi Mystère n'est pas fermier? Bah parce que c'est nul. Il n'y a pas besoin de fermier, Mystère. Artistique pour Milo. Mais Milo, t'es pas un artiste. Tu fais plein de choses, mais t'es pas un artiste. T'es un artisan, on s'en fout. Tu fais quoi d'ailleurs là, Milo, actuellement? Tu mines? Non, tu construis. Parfait. Quête expirée, proposition de flébé, ok. T'as enfin des tourelles. Non, j'ai pas de tourelles. J'ai des mortiers, mais pas de tourelles pour le moment. Et les mortiers, je les ai parce que j'ai eu un... j'ai eu un raid. Du coup, il y a un raid qui m'a filé tous les composants pour faire des mortiers. J'ai pas beaucoup d'obus par contre, parce que je crafte pas encore les obus. Faudra que je le fasse. Ça, vous pouvez construire. Ouais, peut-être que 3 pour le moment. Histoire qu'on ait encore un passage par ici en bas pour le minage. Tout ça, vous pouvez transporter. Bah là, j'ai pas les tourelles parce que j'ai pas les composants. J'ai plus de composantes. Axufai, t'as pas de lit? Axufai n'a pas de lit. Ah non, je manque de chambre. Merde. Oh, désolé, Axufai, du coup, pour le moment, tu seras dans une cellule. Une geôle. Je manque tellement de constructeurs.
Alors, j'ai la première qui va être prête. Deuxième, enfin prête. Ils sont dispo. Désorientation molaire parce que l'anesthésie, ok. Combien j'ai de sang en stock? 7. On fait un petit prélèvement sur tout le monde. Assez calme actuellement. Enfin, c'est toujours calme avant la tempête, hein, mais. Petit prélèvement de sang sur tout le monde pour le bien de tous. Lui, ça va être un bon cru. Il est alcoolisé. Lui aussi. Ok, extraction de sang pour tout le monde. Distance des mortiers, car il paraît que ça a changé. Ouais, on m'a dit que ça a changé. Mon sbi, hein. La range, que chi. Alors peut-être, hein. Peut-être qu'on peut plus tirer jusqu'au bout, mais ça, c'est pas la range des mortiers, ça, c'est juste l'angle mort. Ils peuvent pas tirer aussi près. Ça n'a pas changé. Donc on verra. Pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de tirer encore. Je pense que c'est une info chat. Et il y a moyen que ce soit une info chat. Alors, Milo, tu construis quoi? Les climatiseurs, c'est très bien. La bouffe, ça va, j'ai du riz. Les œufs de poule fécondés, on pourrait dans le stockage. Ah non, mais pas les œufs de poule fécondés, putain. Fécondés. Non. Non. Les œufs de poule fécondés, ils restent dans leur truc là. Ici, pareil. Voilà, normalement, c'est bon, hein, fécondés. Ouais, c'est bon. Il est fini quand les lits de vampires? Bah, quand j'ai les composants. Pour le moment, je les ai pas, donc. Pas pour le moment. Vêtements, lambeaux pour NGX. J'étais forcé à porter un truc. Bah non, il va l'enlever tout seul. Risque de démence, nudité, patient en attente, vêtements, lambeaux, saleté animal. Ok, tout va bien pour le moment. Tout va bien. Non, les croquettes, ça pourrit pas, c'est pour ça que je peux les stocker ici. Si tu finis les cercueils, les vampires libèrent les chambres, je sais pas du tout. Je sais pas du tout s'ils dorment en permanence dedans ou pas. On verra. Bois de la bière. Ah, j'ai vraiment pas de components, du coup je peux demander de miner ici. C'est qui mon mineur? À part Supersonics. À construire, il y a tellement de choses à faire. Ah, il n'y a pas mille qui ont pourri. Bah si c'est rejoué qu'il l'a et t'as déjà le jeu. Donc du coup tu dois pas payer plus. C'est peut-être le DLC. Mais tu peux quand même jouer à Rimworld. Et quel plaisir de revenir sur Rimworld par contre. Ok, on a fait un petit stock de 100. 12 de 100, c'est bien. Les orientations pour Kill Light, c'est pas grave. C'est normal. 2 fois 500, on pourrit. Non, ils ont pas pondu 1000 E. Je les ai pas là-dedans. Ah non, je les ai pas. Lui, il a pas l'air d'être trop emmerdé hein, qu'on lui prélève du sang. Non, il s'en fout, il est juste pas content parce qu'il est à poil. Donc je pourrais peut-être lui donner un truc à se mettre, un truc à porter. Genre ça. Même s'il est pété. Alors comment je fais pour habiller un prisonnier? Je fasse une zone de stockage, je pense. Une guenille. Comment on écrit guenille? Comme ça?
Gunny, et c'est une gunny de... Gunny de sauvage, ouais, c'est ça, en tissu. Gunny de sauvage. Donc je désélectionne tout sauf ça, et je mets une priorité critique là-dessus. Comme ça, il va porter la gunny. Je crois hein, qu'il va la porter si elle traîne dans sa pièce. Ouais, ça c'est la cuisine, elle est pas trop petite, non? Et en plus, elle sera un plus large à gauche. Donc ça va, tu vois, ça, ma cuisine c'est ça actuellement. Donc ça va aller. Yo Adrix. Ouais, les croquettes, il faut que je chasse, j'ai plus de viande pour faire les croquettes. On va chasser un petit peu, on a plein de buffalo à chasser, on a des très bons chasseurs, donc on peut le faire, ça nous fera plein de bouffe. Et de la laine, tout ça, c'est très bien. L'alpaga, je peux le chasser aussi. Les laits, je peux les chasser. Ouais, ça va déjà être pas mal pour ça, comme ça. La pousse d'ambroisie, encore ? Ok. C'est pas mal l'extension cette nuit, je crois. Et crois-moi, tu vas kiffer. Bah, j'espère bien. J'espère bien. Porte automatique, ça c'est une bonne nouvelle, mais on va pas les installer tout de suite. Pour le moment, en tout cas, c'est gros kiff, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les tapis, je les ai faits, je crois. Hein. Non, confection de tapis. Go des tapis. Pour le confort, tout ça. Pour une fois, on va un petit peu. Bon, j'aurais fini de miner tout ça. On va un petit peu focus sur les. Waouh, 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 ils sont tous vengés. Cours, Glingling, cours. Cours, 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 cours. Aïe, 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 aïe. Milo, faut que tu viennes aider. Neverending aussi. Viens aider. Merde. Restriction safe pour tout le monde. Des orientations pour Molar, c'est pas très grave. Imbrel, ok, parfait, moins un. J'en ai marre qu'on me reluque le cul. Merci Nano pour les 7 mois, bienvenue. Ça dit quoi le nouveau DLC? Ça dit que c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Bah reviens. Ouais c'est bon, il arrive. J'adore cette compétence de saut, hein. C'est vraiment trop bien. C'est bon. Du coup, restriction non restreint. Vous n'êtes plus mobilisé. Neverending. Il est en grande crise? Non, rien du tout, ça va. Attends, Milo, transporte ça. Ouais, le jump des vampires, c'est trop trop cool. C'est juste dommage qu'ils peuvent pas sauter par-dessus des murs. Ce serait pété, mais c'est juste dommage. NGX, tu fais... Transporte ça, s'il te plaît. C'est compatible avec les anciennes sauvegardes ou pas? Oui, apparemment oui. Par contre, si tu joues en modé, non. Il y a des chances que tes modes ne soient pas encore portés. Chaises en bois, chef-d'oeuvre, on s'en fout. Que les chefs-d'oeuvre n'aient pas encore été transportés... enfin, portés en... 1.4. Mais sinon, normalement, oui. Du coup, est-ce que toi, ça va mieux? Vêtements usés... Ouais, vêtements usés, il aime pas trop. Ah, en plus, c'est vêtements de gunny de mort. Il y a ça. Non, ça, c'est pété. Normalement, j'ai quelques vêtements qui traînent, non? Ah, j'ai plus de vêtements qui traînent. Bon, bah écoute, je préfère te remettre à poil dans ce cas. Ah, mais c'est... il est déstabilisé. Sur mes 500 modes, 100 pour l'instant sont ok, ok. Durée, leur durée de vie est plus longue aux vampires. Ils sont immortels les vampires, ouais.
Alors une fois de plus, je sais pas, me le dites pas. Je ne sais pas si les vampires sont immortels juste à la vieillesse, ou s'ils sont vraiment immortels de chez immortel. J'ai un vampire qui est mort dans ma base, un vampire ennemi. Pas ennemi, un vampire allié, mais qui n'était pas de ma faction, qui est mort dans ma base. Et c'était indiqué qu'il régénérait, donc pour moi, il va peut-être revenir à la vie. Après, bon, il va peut-être revenir à la vie, il est là, je crois. Donc voilà, mais peut-être qu'il reviendra à la vie quand même. Mais ça craint le feu, donc je pense que si on les crame, par contre, c'est fini. Hein. Les sorcières, tout ça. Par contre, il y a le stuff de Glinglin au sol quelque part. Non ah, Red. Ah, il y a le stuff de Glinglin ici. Alors, Red, ils attaquent de trois endroits. Ils préparent leurs attaques. Ce ne sont pas des sapeurs. Ils sont armés comme des sauvages. Ok, ça va le faire. Est-ce que la safe zone, elle est correcte pour tout le monde? Non. Il va falloir que je l'agrandisse un peu. Ah oui, merde, j'avais oublié de le sortir d'ailleurs. Zone. Safe. Non. Zone safe, ici. Comme ça, vous pouvez venir miner jusque-là, s'il vous plaît. Ok. Les pièges sont armés, donc tout bien. Tout va bien. Et en plus, ils sont trois groupes. Donc, ah, toi, ta gueule ? Sérieux ? Ta gueule ! Il n'y a pas un groupe par ici en haut ? Il me semblait qu'il y avait un groupe par ici en haut. Voilà. Merci beaucoup, Enight, pour les 63 mois. Bienvenue. Merci beaucoup. Montagne. Montagneux, Coco. Le jour, ils s'en fichent, ils sont plus lents. Plus lents, la journée. Par contre, ce sont les vampires de Entretien avec un vampire. Ils sont beaux, intelligents et charismatiques. Est-ce que l'un d'eux... Ah, il s'enfuit déjà? Ok, il y a un survivant. Milo, viens coagulate lui. Il y en a encore deux ici, c'est les seuls. Eux, ils continuent d'attaquer. Merde, il va pas se prendre de piège lui. Vous. Pas Coco, pas Glinglin. Venez ici en haut. Ah, je sais pas si je les aurai. Ah, il y en a un deuxième à terre. Neverending. Viens faire coagulate lui. Et ici, mort. Lui s'enfuit encore. Eux, je les aurai pas. Lui, il y a des chances. Parfait. Inspiration pour le dressage pour Axo, on s'en fout. Milo, tu peux capturer lui. Neverending, tu captures lui. Ah, j'ai plus de lit. Chier. Prisonnier. Oui. Neverending, tu captures lui, du coup. Ah, je vais en avoir un des trois. Ah bah, même pas. Démobiliser. Vous n'êtes plus restreint. Plus personne n'est restreint. Les animaux non plus. Tu meurs en combien de temps, toi? 3 heures? Eh. C'est qui le médecin dans l'eau ici? Kill Light, je crois, non? Bon, vas-y, capture-le, on verra bien. Milo, tu désengages. Neverending, tu restes juste le temps de stabiliser lui s'il arrive à survivre. Parfait. Alors, Noir, bienvenue. Prisonnier. Loyal, permanent. Donc tu seras un Nemogen Farm, tu seras une ferme à bouffe. Toi, tu es loyal, tu seras une ferme à bouffe. Et toi... toi, je peux te capturer. Alors, est-ce que tu es intéressant à capturer? Voyons voir. Tu es un toxico-cancre et traînard. Pas sûr. C'est un bon mêlé, mais non, il est pas intéressant. Du coup, pareil, on va en faire une ferme à 100. Donc, c'est parfait. On a 4.
On en a 4, c'est nickel. J'ai 4 chambres, donc c'est parfait. Et 4, en vrai, ça me paraît intéressant. Hein. Ça me paraît correct comme, comme quantité pour 2 vampires. Nickel. Au niveau des armes qu'ils m'ont ramené, c'est que de la merde. Que de la merde, que de la merde. Ouais. Et il y a cette veste-là qui ne pourrira jamais. Ah si, elle pourrit. Mais dans 40 jours. Mais c'est porté par un mort, donc on s'en fout. Et ben voilà, bonne chose de faite. Nickel. Ah oui, merde, attendez, c'est Soutabog. C'est qui Soutabog? C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Soutabog. C'est eux. Ce sont des ennemis aussi, donc très bien. Ça me va. Non, je perds 10 points de sang par jour, Kill Light. Donc il n'y a pas besoin de plus. Je pense que ça va. Je dois pouvoir sortir une poche de sang par jour. Une poche de sang, ça rend 20, il me semble. Donc franchement, je suis large. Coco, par contre, tu vas venir miner ici en haut, s'il te plaît. Ça fait up les médecins aussi au passage, absolument. Par contre, ça consomme des médicaments, c'est le problème. Donc va falloir, je pense, que j'en plante plus. C'est déjà des racines de vie, mais mes fermiers, ils bossent pas bien. Super Sonic, tu vas devenir fermier en plus. Et Coco aussi fermier. J'ai besoin de planter des trucs. Infection. Infection. Et Mister? Il y a quoi, Mister? Mister, c'est une brêle en ferme. Pourquoi vous voulez qu'il soit fermier? On s'en fout. La reproduction. Bah non, j'ai pas de couple. Elle a dit vers intestinaux pour Coco. Ah, qu'est-ce que t'as bouffé? Ah, j'ai plus trop de médoc, hein. Si, j'en ai 32, ça va. Un petit peu de marge. J'ai eu un component. Du coup, est-ce que Milo, on a de quoi construire ça? Transporte les composants, s'il te plaît. Est-ce qu'avec le transport des composants, tu peux maintenant faire ça? Non, il en manque encore un. J'ai demandé de chasser, hein, finalement. Ouais. Qui sont mes chasseurs? Chasseur, chasseur, chasseur. Ah, j'ai plus que lui prioritaire. Kill Light, tu seras chasseur. Et Mister No, chasseur. Du coup. Ah, je commence à avoir beaucoup de poules, hein, quand même. Chasseur n'a pas d'arme à distance. Glinglin. Et pourquoi il arrête pas de dropper son arme, Glinglin? Ah oui, c'est vrai que ton arme, Glinglin, elle est ici au sol. Viens la récupérer, s'il te plaît. Et ici, il faut que je fasse une zone de plantation. Zone agricole. Ici. Ouais, après on chasse Kill Light, fuck. Et ici, je ne fais pas la coupe, mais je fais de la plantation d'herbe à foin. Comme ça, ils pourront paître. Kill Light qui se fait chasser par un warg. Oh merde. Oh merde. Ah mais ça va, je suis à côté de la base. Milo. Non, attendez. Ah mais Kill Light, il a un pouvoir. Il en a fait un ami, non? C'est un ami, c'est bon, normalement. Non, ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché? Oh, bah, c'est bon. Tout va bien. Démence majeure pour Kill Light, comme d'habitude.
Et j'ai pas eu mon putain d'implant, ça fait chier. Il tombait pile en plus, hein, cet implant. Si, mais c'est pas encore... Fausse couche à cause de la faible santé. Noir, t'étais enceinte? Merde! Ah, fait chier! Noir était enceinte! Du coup, oui, l'enclos, il est pas encore fini. Et en plus, ils ont pas encore de stockage pour le manger, donc voilà. Non, pas j'ai réussi à le faire avant, Maxou. Avant, ça a fonctionné. Oui, je peux tuer les coqs, c'est vrai que ça peut me faire un peu de bouffe. Et c'est tout ça qu'on va moins bouffer. Alors, du coup, je garde que lui. Les coqs, là, par contre, j'attends qu'ils grandissent. Coq. Oui. Coq. Oui. Coq. Oui. Bien que tu pouvais pas, car il était mentalement brisé, le warrior. Ah, ok. Confection de tapis. Production de drogue, ça peut être bien pour les médicaments, je crois. Hein. Ouais, ça débloque les médicaments. On va rechercher ça. Et j'ai toujours pas mes composants. Et personne ne mine. Personne ne mine. J'avais un couple, je pense, bah les deux là. Noir. Bah non, je sais pas comment. Bah est-ce qu'on l'a capturé? Elle était peut-être déjà enceinte. Possible. Dinde enragée. C'est grave ça. Elle sent beaucoup. Non, dans cette zone, hein, c'est tout. Alors, je pense pas qu'il l'aide qu'ils aient implémenté dans le viol dans le jeu. Je pense qu'ils auraient eu des problèmes et que ça aurait pas été une bonne idée. Pas assez de fermiers pour tous les champs. Ah, surtout que les fermiers sont occupés à autre chose. C'est quoi qu'il a... Ah, tu joues au fer folle. Quelqu'un est en train de fuir. Merde. Merde. Faut que tu te battes, hein. Putain, il est au bout du monde en plus, le con. Chier, il est au bout du monde. Combien de temps avant la mort? 6 heures. Oh, merde. Je vais vous recruter tous les deux. On va attendre que les dindes ici passent dans les pièges. Venez ici pour les attirer dans les pièges. Ok, parfait. Et il faut que vous passiez par en bas, je pense. Que je mette que ces deux là. Ouais, toi tu te bats. Toi aussi tu te bats. Quand tu vois des ennemis. Ça va le faire ou pas? Ah, dit grave. 2 heures. Ouais, ça va être short, mais ça le fait. C'est bon, ça le fait. Ultra puissant, hein, les vampires, vraiment. Il est qu'on a rien eu à foutre de lui. Ah oui, c'est parce qu'il part en zone, c'est pour ça. Mais ça va, on se déplace plus vite. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Du coup, restriction. Non restreint. Les petits derniers, ça devrait aller. Les animaux, c'est ok. Oh putain, j'ai tellement de poules. Faut voir, ça soigne tout. Non, ça stoppe juste le saignement. Mmh.
mission pour Mr. Now. Ah, t'es pas passé loin, ouais. Demon's Manager pour Kill Light. Ah bon? Pourquoi? Fatigué. Comment ça, chambre horrible? Comment ça? Le mec, il a une sculpture géante dans sa piole et il râle. Alors que Axu Fight n'a même pas de lit, quoi. Ah, j'ai plus de croquettes, par contre. Ça commence à puer du cul, hein. Ah, j'ai de la viande. Bon, je vais demander à un de mes fermiers. Un de mes forestiers. Njix, tu fais quoi, là, actuellement? Njix, tu récoltes du riz. Ok, viens juste, s'il te plaît, me couper cet arbre. Et apporter le bois. Non, en fait, Mr. Now, je les force à dormir que 2 heures. De minuit, de 23h à minuit, à 1h. Mais sinon, le reste du temps, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, bah, s'ils veulent dormir, ils dorment. Et ça permet, en fait, que si jamais... Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, que je le fais habituellement. Tu peux faire... Non, t'es pas affecté à construction. Okay. Maladie, infection, ok. Ça permet, en fait, de... S'ils sont de mauvaise humeur, ils peuvent aller jouer s'ils veulent. Si ils veulent faire autre chose que travailler, ils peuvent. Ça fait que ma faction, mes colons sont moins rentables, mais au moins ils sont contents. Ils sont heureux. Je comprends comme ça et j'essaye de le faire comme ça en tout cas. Du coup... Ok, t'as fait ça, parfait. Ça veut dire que je vais pouvoir réinstaller. Je crois que la croix, je l'ai encore. Ouais, elle est là. On va l'installer ici. Et je vais ici dedans autoriser uniquement les poulets du coup. Auto-couper. Ouais, ok. Milo, tu fais quoi? Tu te reposes. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît poser ça en 2-2? Histoire qu'on déplace nos animaux qui puissent bouffer un petit peu dans les pâturages. Démence majeure pour Kill Light, évidemment. Alors, du coup, là-dedans. J'autorise, bon je laisse tout normal hein. Et ici dedans j'autorise rien à l'exception des poupoules. Elle est où la poulette? Poulet. Ah peut-être effectivement. Peut-être que les vampires dorment 2 heures parce que je les force à dormir. C'est pas faux. Peut-être qu'effectivement sinon ils ne dorment pas. Le Dark. Ah oui c'est vrai qu'il faut que j'enlève les poules ici en haut. Elle est où la poulette? Poulet. J'en ai vraiment trop, hein. J'en ai vraiment trop. Production de drogue. Ok, la drogue c'est fait. Les médicaments, je peux pas encore. Fertilité, engin explosif improvisé, panneau solaire, télévision cathodique, ration de survie. Je vais faire les télévisions. Pas encore. On voit Capricha. Kill Light, mais Kill Light, t'as vraiment pas de chat, Kill Light, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste parce que t'es un sale con. T'arrêtes de fuir devant l'adversité. Il faut que tu te battes. Il est où le warg? Il est là-haut. Ok. Écoute. Reste là. Et tu vas tirer à vue. Et tu lâches les animaux. Voilà. Il est excellent, Benichu. Il est ultra cool. Et pour le moment, j'ai vraiment gratté que la surface, je pense. Poulet, ça réunit tout. C'est la race.
Et après, j'ai vu que je pouvais choisir les sexes aussi. Si je veux prendre que les femelles ou que les mâles, je peux aussi. Au feu. Mais putain, mais casse-couille là! Bon alors, le minage, est-ce que ça avance? C'est qui est mineur là? Les miners. Ah mais tous mes mineurs sont fermiers également. Bah, toi t'es nul en ferme, NGX, tu fais que du minage. Focus minage. La crise de colère pour sur Mr. No qui va taper sur la sculpture en chef-d'œuvre. Non, 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 ouais, j'ai plus de lit pour prisonnier. C'est qui? C'est Mr. No. Mr. No, il a pas de lit. Du coup, ça, ce seront plus des lits médicaux pour le moment. Ça va être des lits pour prisonnier, voilà. Mr. No, allez, arrêtez. Oh putain, mais il tape fort en plus, ce con. Oh, vite. Ça vaut une fortune. Putain, aucun respect pour le matériel. Pourquoi t'as fait une crise, d'ailleurs? Viens te rééquiper de ton arme. Ça. Pourquoi t'as fait une crise? Éprouve une douleur aiguë. Ouais, bah ça, c'est, tu l'as mérité. Et emprisonné, tu l'as mérité. Malade? Ah! Ouais, mais c'est bon, t'es plus malade, t'as développé une immunité, donc c'est ok. Et du coup, mon mineur maintenant, c'est NGX, hein, c'est ça? Oui. Ça, c'est parfait, ouais. C'est très très bien. Ça, tu peux annuler. Ça, par contre, tu peux miner. Folie furieuse pour Molar, parce que mauvaise humeur, environnement I2. Ça va, t'inquiète, on va bientôt te déplacer. Ah, mais vous tapez pas dessus. J'ai besoin de vous tous les deux. Ah mais je crois que c'est Neverending qui est frigide, Anne, en fait. Hein. La ménopause, tout ça. Ne tue pas, hein. J'ai besoin de lui. Merci. Il va pas crever. Non. Et toi non plus? Non. Médicaments, 20. Ouais, ça commence à être vraiment short en médoc, hein. NGX, 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 oui, très bien. Ça, ça. Et du coup, ça veut dire que Milo remplace un composant détruit de batterie. Une batterie pétée, non, je m'en fous de ça, construis ça plutôt. Shaman, ouais. Oui, du coup, je consomme beaucoup de médicaments, c'est normal. Vu que je fais beaucoup de prélèvements de sang. D'ailleurs, 11 toujours, hein. Pour le moment, on est stable. Après, eux, comme ils sont encore blessés, c'est peut-être pour ça. Alors, nous avons donc le premier cercueil qui n'est pas relié à l'électricité. Si, c'est bon. Et il appartient à Milo. Est-ce que... Bah non, du coup, Milo a perdu son lit. Non, non, il a pas perdu son lit. Donc, ça ne libère pas de chambre. Et Milo dort quand même. Oui, enlever les jambes, je peux pas. Je peux mettre des jambes de bois, mais je peux pas juste couper la jambe. Ça, c'est pas possible. Ah très bien, du coup j'ai un sarcophage pour faire reposer mes vampires. Et donc j'ai les petits potes qui arrivent, bonjour. Ah mais restez pas là, entrez, vous êtes les bienvenus. Meilleur socialo du coup, je me souviens plus, c'est Axou. Alors, les poussins, ouais, j'ai vraiment beaucoup de poules hein. Coq, poule, agneau, j'ai pas de bébé. Si, j'ai un poulain à vendre. Poulain, c'est vendu. Les agneaux, je vais attendre qu'ils grandissent, on va les bouffer aussi. Pemmican, j'en veux pas. Ration de survie, c'est à moi. Neutroamine, j'en veux pas. Composant avancé. Air médicinale, je vais vous en acheter une. L'ambroisie, je garde. Obus explosif, c'est à moi. L'astacier, j'en ai pas besoin pour le moment. Canon renforcé, je garde. La bière, non, je vais pas racheter de bière pour le moment. Après, si j'ai un peu de pognon, donc je vais acheter la bière quand même. Let's go. Merci. Si, j'ai un colon qui dort par terre, mais la chambre,
C'est vrai que j'ai même pas lancé la production d'une chambre en fait. En effet. Ben, je vais pouvoir en faire ici derrière et le couloir. Je peux libérer la salle de classe qui est là éventuellement pour faire un couloir, déplacer mes batteries et refaire une salle de classe ailleurs. J'en ai plus besoin pour le moment, j'ai plus d'enfants. Qui vont... Ah, quoique, il va encore en cours en fait finalement. Vas-y, je vais faire des chambres ici. 5 chambres en plus là. Et du coup, creuser ceci. Et ça. Voilà. Et oui, pour le moment, il dort par terre, mais je peux le faire dormir ici. Temporairement. Yo, mec. Prends la moitié des poussins. Non, j'attends qu'ils grandissent pour les buter, en fait. Pour les bouffer. Peut-être que eux vont manquer de bouffe aussi. Hein. On va leur voir. NGX, tu peux miner ça s'il te plaît en prio. Faut pas prendre le sang des animaux. Je t'avoue que j'ai pas vérifié, mais je pense pas. Non. Pourquoi t'as poil NGX? Ah oui, puis j'ai pas de couturier en fait. J'en avais pas libre. Champion couturier bon. J'ai Milo qui est bon en couture, mais il a trop de construction à faire. Il y a Aksu, mais Aksu il fait la construction aussi. Ce qui est important. Et deuxième cercueil, deuxième. Celui-ci du coup il est pour Neverending. On a la place pour un troisième. Et maintenant, vu la quantité de banque de sang que j'ai, je pourrais même mettre un troisième vampire, hein, éventuellement. Ah mais NGX, tu saoules. Mine les composants, merde. Voilà, caravane. Rage meurtrière pour Mister No, il veut tuer quoi? Il veut tuer Axe to Fight? Bah non, parce que l'environnement très déplaisant. Ouais, ta chambre est dégueu, mais voilà. Axe to Fight. Arrestation impossible, aucun lit réservé aux prisonniers. Et... Vas-y. Et hop. Voilà. Tu saoules un peu. Faudrait que je finisse les chambres hein, en termes de construction. Tu fais quoi là? Tu libères Mister Now? Après non, les chambres en soi elles sont pas trop mal. Il y a encore des murs un peu dégueux mais... Faut surtout qu'il ait une chambre à lui. Bon, je peux commencer à aménager celle-là déjà. Structure, non, mobilier, lit. J'ai plus beaucoup de pierres donc je vais le faire en bois pour l'instant. Table de nuit, tac 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 tac, commode. Voilà déjà ça. Ah j'ai énormément de construction en cours, oui. Et j'ai deux constructeurs. Le problème est là. Pourquoi on donne de la viande crue? Les cochons, ils mangent que de la viande? Ah non, les cochons mangent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. C'est vrai. Ah oui, mais attendez, Axe to Fight, du coup, c'est un cochon. Il est pas chasseur parce qu'il a une vue pourrie. Du coup, Axe to Fight, tu vas être constructeur plutôt. Enfin, dresseur joli aussi, mais tu vas être constructeur surtout. Pas de chasse.
Milo a besoin de se reposer. Ben, on va pouvoir tester ça, du coup. On va pouvoir venir tester Start Death Rest. Hop. Et donc ça, ça compte comme 1, je suppose. On va voir. Ouais, building... Ah non, 0 sur 1. Ah, ça compte pas comme 1. Du coup, biotech. Donc on va voir. Donc ceci, blood refining pump increase the amount of hemogem a distressing person can store in their body. Donc ça, ça augmente la quantité de sang qu'il peut avoir. Ça, hemogen amplified state, so they gain more hemogem from any hemo... Ah, ok, ça, il gagne plus de sang à chaque fois qu'il en consomme. Il se déplace plus vite. Cela, il coûte cher. Psychic sensitivity. Ça, ça diminue... Ses... Enfin, ça augmente sa résistance psychique. Et ça, il se repose plus rapidement. Ok, bah je vais mettre une emo pump, je pense. Qui augmente sa quantité de sang max. Merde, par contre, il faut que ce soit centré. Je peux le mettre là en vrai, à la place de la torche. Mais du coup, je peux le mettre là aussi. Le suivant, je le mettrai ailleurs. On va mettre ça du coup. Parfait. Frénésie d'insulte pour Mr. Now. On a besoin de soins. Pourquoi besoin de soins? Air intestinaux. Ah oui, c'est vrai que ça passe pas là. Consomme également de la nourriture de la victime qui augmente la faim. Ça, ça se soigne pas, hein, je crois. C'est permanent. Démence majeure. Ok, pour le moment, ça va. Ça se tient. Arrêtez de vous battre. Ah mais tu te fous de la gueule du monde, au moins secours-le. Sauve-le. Pourquoi tu te balades avec des croquettes? Les loups bouffent des croquettes peut-être. Ah oui, du coup l'auto-wake-up. Ah oui, auto-wake-up. Quelques pièges à reconstruire. Maladie grave. Maladie grave comment? 2 heures. Mobilisation never ending. Kill light. Light ça va. Alors, j'ai quelques coqs à buter. Animaux. Coq 2, c'est mangé. Après, j'ai vraiment beaucoup de poules aussi. Je vais en buter quelques-unes. Bah, je vais buter toutes les poules, en fait. J'ai plein de poussins qui vont grandir. Ça fera à bouffer. Poussin, poule. Poule. Tout ça, c'est du poussin, oui. Poule. Et poule. Allez, ça dégage. Hein, qui fait plus de ménage. C'est qui était assigné? Je crois que j'ai plus personne assigné uniquement au ménage. C'était Supersonic qui faisait du ménage. Mais là le problème c'est sale chez moi. Ah oui c'est dégueu chez moi. Bon Supersonic c'est au ménage. La fermier j'ai besoin quand même. Mort de poule sur Jerry Fails on... Comment ça sur Jerry? Je voulais pas la stériliser. C'est le mauvais bouton. Ah, c'était pas le bon, pardon. Voilà. Ouais, du coup, qui est-ce que je mets au ménage uniquement? Glinglin, tu fais chasseur, cuisine, dressage. Bah écoute, je t'enlève de la chasse.
et de la cuisine et du dressage. Et je te mets pas à l'artisanat mais au nettoyage. Et en vrai ça tu peux garder en deux. Voilà. Un rataboum apprivoisé. Oh, je suis pas sûr de ça. Hein. Le rataboum, je pense que je vais le libérer. Relâche-le en nature, ça dégage. Je ne veux pas de poids. Et ne rentre même pas dans la base, tu n'es pas le bienvenu. C'est trop dangereux un rataboum. Il va rentrer, hein. Du coup, il va se suicider dans les pièges après ce con. Racine de vie de... Ah, il y a du mildiou dans ma racine de vie. Fais chier! Faut que j'enlève tout. Bon, je vais déjà enlever ça, mais je pense que ça va se répandre. C'est vrai que je pourrais virer mes coques, en fait, pour n'avoir que des œufs non fécondés, mais je pense que les poules donnent plus de bouffe que des œufs fécondés. Des œufs non... que des œufs non fécondés. Mais ça me consommerait un peu moins... Et ce serait un peu moins de boulot. Ouais, je peux faire ça aussi. Effectivement. Il est excellent, mec. Le DLC est vraiment excellent. Et encore, on a vraiment gratté que la surface pour le moment. Il y a encore plein de choses, je pense, que j'ai pas vues. Eclipse, on s'en fout, ça change rien du tout. C'est même bien pour mes vampires et mon homme taupe. Oh, mais il me faudrait tellement une vague de constructeurs là. Ouais, le mildiou se répand aussi ici. Couper les plantes. J'en ai marre qu'on me reluque le cul! Téléviseur terminé. Qu'est-ce que je lance comme recherche? Rien du tout. Tu peux faire des trucs intéressants, Sirdan, à la place de la recherche. Tu peux faire mineur. Écoute, fais mineur. Merci Bloisy pour les 9 mois, bienvenue. Merci beaucoup. Ah, tu joues pour faire à cheval, il y a d'autres choses plus importantes à faire, non? Et tu crois pas? C'est vraiment la priorité absolue de jouer au fer à cheval, là, actuellement. Vraiment. Ah, ça commence à miner de ce côté? Oui, pour une chambre, c'est bien. Voilà, merci le minage. Ah, j'ai de la place pour mettre des batteries ici, tiens. Je pourrais mettre quelques batteries, vu que je veux déplacer mes batteries du bas. Exécution de poulet. Ouais, du coup, je vais virer les coques. Il me reste 6 œufs non fécondés, 6 œufs fécondés. Je vais virer les coques et on va bouffer des œufs. Coque, tuer. Faudra que je tue également les mâles qu'il y a là-dedans. Rataboum est retourné à l'état sauvage. Le problème, c'est que pour sortir... Faut que je le bute maintenant. Supersonics. Ah non, toi t'es au couteau. Glinglin. Tire sur lui. Non, pas dans les pièges. Putain. Bon, ça va, un seul piège. C'est acceptable. Ils sont restreints, mes potes, là? Non. Tu peux gérer l'auto-abattage? Comment? Ça, c'est information sur les poules. J'aimerais savoir combien il y a de viande dans un poulet, du coup. 38. Et un œuf. Donne-moi l'œuf. Je vais pas me donner l'œuf. J'ai des œufs fécondés et non fécondés là-dedans ou pas? Non. Et comment je gère l'auto-abattage? C'est dans auto-coupe? Non. Dans l'onglet animaux en bas. Ah, gérer l'auto-abattage. Putain, merci.
Ok, alors, poulet. Maximum un coq adulte. Et maximum 10 poules. Vas-y. Ok, ça me va. Et du coup, au total, on s'en fout du total parce que ça compte les jeunes. Mais ils deviennent rapidement adultes. Donc ça me va. On n'abat pas les poules gestantes. Mais les poules sont tout le temps gestantes, donc si. Bonne idée, ok. Du coup, on va faire pareil pour les moutons. Deux moutons mâles adultes, deux moutons mâles femelles. On tue pas les gestantes. Bison, deux mâles, deux femelles. On tue pas les gestantes. Les chevaux, un mâle, une femelle. Grizzly, un grizzly on garde. De toute façon, je peux pas les reproduire. T'as mis 10 femelles adultes. Oui, 10 poulettes. Pour avoir un peu plus d'eux. Va. Ça y est, Glinglin fait le ménage. C'est bien. Je suis au paradis, manger une pizza devant un live de AS2, quelle pizza. Bah bon app, hein, du coup. Air tristement parce qu'environnement est de... Ok, c'est pas grave. Les chambres ici, elles commencent à venir. Tout bien. Milo, combien de temps? Encore 2 jours de dodo. Ok. Qu'est-ce que je mange, moi, ce soir? Ah oui, les restes de hier. Je me suis fait, après le stream, vite fait une petite bolo avec des boulettes de viande. Ça passait crème. Si le mur nord est fini, tu peux étendre la safe zone. Ouais, je vais pouvoir étendre la safe zone, absolument. Zone, autorisée, safe. Tout ça, c'est également en safe zone maintenant, bien vu. Chasseur qui n'a pas d'arme à distance, kill light, qu'est-ce que t'as fait encore? Équipe-toi de ça. Il va falloir que je construise également un rideau pour Mimo. Ici. Excès d'alcool pour kill light, c'est pas grave, si tu veux te prendre une cuite, fais-toi plaisir avec ta pizza. Bœuf, poulet, dinde et lardons pour la pizza, pas mal. Tout ce qui traînait dans mon frigo qui approchait de la date. Ça marche aussi, hein. L'autre jour, je savais pas quoi me faire à bouffer. Enfin, j'avais plus grand chose à me faire à bouffer, du coup, je me suis fait avec ce qui traînait dans le frigo. Je me suis fait pâte avec brocoli et... comment j'ai improvisé ça? Ah oui, je me suis fait une petite, petite sauce aigre-douce avec du miel et du... de la sauce soja. Et ça passait super crème. Et puis un petit... Ah oui, j'avais du poulet aussi. J'avais du poulet au congèle. Donc je me suis fait un petit poulet justement aigre douce. Ça passait ultra crème. Ouais, du coup, il va falloir que je lisse encore les murs là. Vraiment besoin de soins. Ça, c'est pour les vers intestinaux. Ouais. Majeur pour NGX à cause de ton environnement. Ok. Et ici, qu'est-ce que je fais? Là, j'aurais un couloir, là, j'aurais une pierre. Je pourrais mettre quelques bâtons. Ah non! Ah, j'aurais rien de spécial là. Je verrai ce que je mets. Je pense pas qu'il récupère plus vite actuellement. J'ai pas eu l'impression, peut-être un petit peu plus vite. Mais ça, ça me permet de connecter des machines. Il y a une machine qui permet de le faire récupérer plus vite, mais surtout là, la machine que j'ai mise, c'est qu'il aura plus un stock de sang plus grand. Je sais pas à combien plus grand. Ça veut dire qu'il pourra lancer plus de pouvoir avant de boire du sang. Ah oui, non, mais je les laisse bosser, hein. Là, ils font ce qu'ils ont à faire, mais je construis au fur et à mesure ce dont ils ont besoin. Enfin, ce dont je vais avoir besoin. Et là, du coup, la piole, ça va être urgent, par contre. De la faire.
Voilà. Comme ça, on aura une chambre de plus. Et encore, lécher tous les murs. Intoxication alimentaire, oui, parce que la cuisine est un peu sale. Normal. Double de sang, bon, on verra. On verra, on verra. D'abord, il faut construire la machine et il faut que quelqu'un reste pour le voir. Crise de boulimie pour Super Sonic. Parce qu'il est boulimique, c'est pas grave. Tomates farcies, les gosses sont deg. C'est bon les tomates farcies. Même quand j'étais gamin, j'aimais bien. En général, la tomate, c'est pas vraiment un légume que les gosses rechignent à manger. On a besoin d'aide, Super Sonic. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez assez de quoi paître du coup? Oui, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller pour le moment. Parfait. Du coup, j'ai plus de poules adultes actuellement. Mais j'ai encore 6 œufs et j'ai des milliards de poussins. Tout est en attente par manque de bois. Non, 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 manque de bois. Ah, oh! Attendez, les 3000 de bois ont été consommés peut-être? Effectivement, peut-être qu'une petite coupe de bois serait la bienvenue. Ouais, voilà. Mais c'est surtout en attente à cause du manque de personnel aussi. Hein. Je peux en mettre qu'une seule actuellement, Maxou, mais je peux acheter des adaptateurs pour... enfin, des boosters pour qu'ils puissent en avoir plus. Mais il faut que je les achète auprès des marchands. Et pour le moment, j'en ai pas vu. J'ai aucune idée du prix. Coup de chaleur. NGX, il fait quelle température dehors? Oui, il fait un peu chaud, 38. Je vais désactiver déjà les radiateurs. On est en plein été. Désactiver. Annule le replantage des cultures, sinon le mildiou va finir. Ah oui, c'est vrai. Ça mine, ça bosse, ça construit, ça va, il manque un peu de bois, mais rien de dramatique pour le moment. Combien j'ai de sang là du coup? 11. On est stable à 11 hein, actuellement. Ce qui me semble étonnant, mais admettons. Ah, il s'est réveillé! Milo est réveillé! Alors ouais, tu fais des réparations, mais il y a peut-être plus urgent que de réparer des murs, non? Ouais, vas-y. Ça doit être fait à un moment ou à un autre, de toute façon. Le bois est surtout consommé pour les pièges, évidemment. Évidemment. Et il me faudrait un tailleur de pierre pour faire des pièges en pierre ou au moins des meubles en pierre et des murs en pierre. Je manque un petit peu de bouffe aussi. Bon, c'est du stock, hein, c'est pas ça le souci, mais... Et le minage avance bien aussi. Et au pire, s'il lèche des murs, ça me va aussi. Il répare encore les murs. Ouais. Qui sont mes forestiers? Neverending est forestier, mais il est également fermier et cuisinier. En fait, j'ai personne à la coupe de bois. Coco, tu fais fermier mineur. Fermier ici. Kelly, tu fais quoi toi actuellement? Chasseur, dresseur et de l'art? Non. Transport, nettoyage. Oui, tu fais un peu de nettoyage. Coupe un peu de bois, Kelly, s'il te plaît. Pas je mange. Ouais, bah nique, hein. Je t'ai pas donné l'autorisation de manger.
Ouais, il fait un petit peu chaud dans les champs, mais ça va. On n'a pas de vague de chaleur actuellement, donc c'est pas trop un problème. Commence majeur pour Coco. Qu'est-ce qui t'arrive, Coco? Les besoins. Souffre, très chaud, malade, chambre horrible. Et à manger sans table. Et pourtant, là, des tables, j'en ai remis. Hein. Il y a ce qu'il faut, normalement.